1968, discours de Gaulle, depuis 4 jours, le pouvoir s'en est battu. Après cette revendication, il a mobilisé la classe ouvrière. Les partis communistes et les directions syndicales acceptent le secret des élections. La bourgeoisie n'est en face de ce dénombre des corps séviens, trouvant sa force dans la faiblesse de la gauche, plus capable de prendre le pouvoir, reprend l'initiative. Elle riposte à toute extension du mouvement qui travaille. Il ne faut pas attendre que les coupeurs pour passer à une phase nouvelle, offensive de la lutte. Premier objectif, on continue les manifestations de masse dans lesquelles des grévistes occupent leur rôle. Deuxième objectif, organiser l'autodéfense des tribunaux. La police cherche à réoccuper cette entreprise. Si on laisse faire cette opération, demain ce seront d'autres individus, d'autres secteurs qui seront visibles. Un par un, pour prendre les bastions de la police. Il faut rassembler et coordonner les forces des grévistes pour mener et gagner chacune de ces victoires. Troisième objectif, assurer ce contrôle des travailleurs en grève, le redémarrage des entreprises, transformer la grève contre la vérité. En fait, la condition de victoire contre la bourgeoisie, c'est que la ligne de la pensée l'emporte à l'intérieur du mouvement ouvrier, sans la ligne de la capitulation. Les comités d'action renforceront les piquets, chercheront à aider au maximum les grévistes pour les collectes et les mortels. Ils recourront des manifestations locales, des meetings publics, afin d'expliquer l'enjeu de la situation à toute la population. Les 4 jours qui viennent sont décisifs. La décision peut encore être prise. Sous les efforts conjoints du patronat et des directions syndicales, comme une reprise du travail, la lutte devra continuer. Retour aux 40 heures, abrogation des ordonnances.
Et
Il y a des gens qui sont en train de se faire.
du fonctionnaire du syndicat qui est ici dans la région. Alors, à la fin, quand même, il a quand même pour avoir des problèmes de jeunes, de jeunes qui refusaient de se syndiquer, qui contestaient les structures, la fonctionnaire pour les syndicats. Et là, évidemment, c'est un peu compliqué, il appelle effectivement la force, c'est ça, c'est très avantagé, mais on n'a pas le temps de voir une réaction. La force, nous sommes tous les syndicats, effectivement, c'est un peu plus de syndicats qui sont les plus chers, c'est eux qui sont les plus durs en ce moment. Nous, on a la force, on se fiche royalement beaucoup de gens, on s'en fout. Si vous venez à 2000 euros de pour nous, ou pas, on sait que c'est nous qui avons la force. Alors, bien même, on a fait 160 tonnes de bibliothèques, etc. Et on se sent que c'est nous qui vont aller les pays. Il y a une mise au clair, c'est la même assez. Nous, on est reparti, on a dit merci, c'est vous qui vous êtes chargé. Constatons d'abord un fait. 10 millions de salariés sont en grève et pourquoi? Certainement pas par plaisir, mais pour la satisfaction de revendications urgentes nécessaires à notre effort. Telle que l'augmentation et la garantie des salaires, la garantie de l'emploi, les libertés syndicales et les libertés, et la garantie de sécurité, pardon. Le retour progressif aux 40 heures. L'avancement de l'âge de la retraite, la révision de la convention collective. Cette grève a changé. Le patronat, qui depuis 10 ans refusait de discuter sérieusement de nos revendications essentielles, a été contraint de discuter. Et les propositions sont insuffisantes. C'est pourquoi les organisations syndicales n'ont pas voulu signer la proposition d'accord. Contrairement à ce qu'on peut prétendre d'après ces narrations, gouvernement et patronat espéraient que leur proposition arrêterait le mouvement. Ils se sont trompés. On ne fait pas l'effet d'une grève comme celle-ci tous les trois mois. L'ensemble des 10 millions de crédits sont tout un chacun des difficultés engendrées par la grève. Mais ils ne veulent pas non plus que leur fête soit perdue. Tenez bon de formation. Nous demandons donc de rentrer dans l'usine afin de vous exprimer pour le profil de la grève. Les organisations syndicales vous diront comment Citroën a tenté de vous tromper. Des revendications remportées compte tenu des succès substantiels remportés pour le principe de la reprise du travail. Deuxièmement, je répète, restez très disciplinés. Deuxièmement, êtes-vous pour que cette reprise ait lieu demain matin à 9h? Troisièmement, êtes-vous pour la poursuite de la grève par solidarité avec les revendications qui n'ont pas encore obtenu des augmentations substantielles. Voilà, je vous demande de réfléchir. Nous allons faire voter sur chacun de ces trois points. De telle sorte qu'on ait une vue pour des politiques. Voilà, c'est un Dans quel cas il y a des bureaux?
Thank you.
expliquer pourquoi ce matin nous sommes en réunion dehors et qu'il y a des copains qui sont là à l'intérieur. Alors comme je parle assez mal, on a fait un petit topo, on a fait ça ensemble, on a rallié ça à la majorité, tout le monde est d'accord. Hier, il y a un délégué syndical qui a mené la bouche et qui nous a dit demain, rendez-vous demain à 8h pour une reprise éventuelle du travail. Nous étions au débat, on dit, nous sommes 15 à avoir été à la bourse du travail, il ne nous a pas laissé entrer, il nous a fait sortir d'un corps. Mais il n'écoute pas, il écoute bien. J'ai eu d'autres échos, des gars de championnat, et justement des étudiants, des gars de sorcier du comité d'action financière. Donc c'est un truc réel qui a vraiment existé. On a cherché à cacher quelque chose à la bourse du travail. Le gars a dit, rendez-vous demain à 8h pour une reprise éventuelle du travail. Les gars ont dit, et quoi? Et comment ça se fait? Nous étions 90% en faveur de la grève, et d'un seul coup, ils nous comprennent le travail, pourquoi? On n'en sait rien, on prend le travail. Alors, c'est pour ça, justement, que les copains, on en a eu marre, parce que, ça fait quoi, 18 jours, ça fait 19 jours qu'on fait 13, ou alors, il y a un moment dans la marge, on n'est plus des contraintes, et nous qui sommes partis en grève, c'est pas aux autres de décider pour nous. Ah. D'accord, mais c'est eux qui n'ont rien. Ouais. Quand je vois des gars qui disent je suis satisfait de mes revendications, je reprends le boulot, les autres les emmerdent. Mais en les attendant, nous continuons la grève. Alors, je pense que nos camarades ne sont pas d'accord avec moi, je vais vous dire pour la parole.
On avait même déjà posé quel rôle pourraient bénéficier les grands comités, à savoir que ces comités pourraient quasiment déjà 100 millions de soviets et pouvaient assurer sur le plan du quartier des rôles de gestion. On avait déjà défini une possibilité aussi d'être une tellement d'autres problèmes. D'autre part, sur le plan politique, on avait déclaré ces comités qui assuraient un rôle de politique. Politisation sur le plan du quartier et devait exprimer de façon claire le sens du vivant qui s'était développé aussi bien dans les universités que dans les musées. Parce que je n'ai pas des contextes pour très bien. Thank you.